te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et son règne n'aura point de fin. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. Point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Shalom Alechem. Alechem, shalom.
Shalom.